Faites le coup depuis euh, hier, vous êtes vraiment un putain d'incapable. <laughs> allez, faites quelque chose ou barrez-vous. Allez, foutez le camp, foutez le camp. <laughs> J'ai même pas entendu un sifflet, je me suis dit les gens vont huer et tout, mais. Ah hein, voilà, je, je me suis mal comporté là. Je me suis mal comporté. Bon, on est d'accord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec l'astronomie. Je vais vous parler. Du pluriel de politesse. Vous. En général, les gens voient le vouvoiement comme une marque de politesse, de respect. Mais je crois que j'ai été capable de vous donner un contre-exemple juste à l'instant. Et si on veut aller encore plus loin dans le contre-exemple, si le vouvoiement est une forme de respect, pourquoi vous tutoyez vos proches vos amis un peu bizarre non si la science est basée sur la réfutation c'est pas si d'ailleurs c'est le cas euh, en, dans le milieu scientifique il suffit d'une réfutation pour mettre à mal une théorie. Vous pensez que tel modèle est vrai, vous trouvez un contre exemple, c'est foutu. Si on applique la méthode scientifique là tout de suite, je crois qu'on peut se dire que j'ai démontré que le vouvoiement n'est absolument pas une forme de respect, vu comme j'ai malmené Kylian. Euh, pour moi, le vouvoiement, ce n'est pas du tout une marque de respect, c'est une marque de distance, voire même de soumission. On va faire un petit peu d'histoire, parce que, bon, elle l'a dit tout à l'heure, j'étais euh, enseignant d'abord, j'ai fait une formation de prof d'histoire, et donc on va faire un petit peu d'histoire. On va parler des origines du vouvoiement, et les origines du vouvoiement, enfin les plus lointaines que j'ai trouvées, on les trouve dans le latin, sous le règne de Dioclétien, aux alentours de 285-300. Et à ce moment-là, euh, le, le pouvoir impérial est divisé entre quatre individus. Mais, les Romains aiment bien les trucs un peu chelous, si vous si vous, vous adressez à l'un des quatre représentants du pouvoir, vous vous adressez forcément aux trois autres, même s'ils ne sont pas dans la même pièce. Donc vous vous voyez ce représentant du pouvoir. Ça, c'est les plus anciennes traces du mouvement qu'on a. On va faire un petit bond dans le temps d'environ 500 ans on va aller jusqu'aux Carolingiens. Et les Carolingiens, les rois Carolingiens euh, amènent une nouvelle mode, c'est de vous voyer les nobles. Parce que pourquoi pas. Euh, encore un petit peu plus tard, euh, au courant du Moyen Âge, on voit apparaître le pluriel de majesté, le roi qui parle de lui-même en disant nous et qui demande aux gens qui s'adressent à lui de le vous voyez. Maintenant, je vais faire une petite digression. Vous allez voir, j'aime beaucoup les digressions, les petites histoires. Parce que après avoir été enseignant, j'ai été photographe de mariage aussi. Ce truc, bon. Est-ce que vous savez pourquoi les robes de mariée sont blanches On nous dit souvent que c'est euh, la virginité, la pureté, mon œil. Hey, vous n'allez pas me croire qu'elles n'ont pas vu le loup avant le mariage. Hein. Non. En fait, ça, c'est une construction a posteriori. Ça n'a absolument rien à voir. Au Moyen-Âge, quand les jeunes filles se mariaient, elles prenaient leur plus belle robe et surtout la plus colorée. Déjà, elles n'en achetaient pas une spécialement pour l'occasion, et elles prenaient une robe très colorée. Celle qui a apporté la mode de la robe blanche, c'est la reine Victoria, qui à son mariage était toute de blanc vêtue. Et si je vous raconte ça, qui n'a absolument rien à voir, ou presque, c'est parce que ce sont souvent les puissants... Enfin c'était en tout cas les puissants qui créaient les modes. Et d'ailleurs quand je dis c'était, aujourd'hui c'est encore souvent les stars qui créent les modes. Quand un puissant, quand un roi, quand un empereur faisait quelque chose, ben, les roturiers, les petites gens, tout ça pour l'imiter, faisaient pareil. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec le vouvoiement d'abord chez les, nobres, les nobles, les rois, etc. Et finalement, chez les petites gens. Maintenant on va encore faire un petit bond dans le temps. On va parler de la Révolution française, plus particulièrement de l'an 2 du calendrier euh, de la Révolution française. En l'an 2, on a pris une décision un peu bizarre, c'est d'abolir le vouvoiement. Abolir une forme de politesse, c'est bizarre. À moins qu'on ait aboli une forme de soumission. Et là, dans le cadre de la Révolution française, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus logique. Euh, Aujourd'hui, le vouvoiement existe bien entendu toujours, comme les inégalités, hein, comme quand la Révolution a eu un impact limité. Mais on n'est pas tous égaux devant le vouvoiement. Par exemple, pour ce talk, j'ai fait quelques petites recherches, et euh, j'ai vite constater qu'au Québec, par exemple, on tutoie beaucoup plus facilement qu'en France. Et en France, on tutoie beaucoup plus facilement qu'en Belgique. Je n'ai pas fait des recherches complètes sur toute la, la francophonie, mais bon, on peut parler encore de quelques autres exemples. Par exemple, si vous allez en Espagne, vous serez peut-être surpris de constater que les publicités vous tutoient beaucoup plus facilement qu'en France. Une publicité qui vous tutoie en France... C'est pas courant. en Espagne beaucoup plus. Et puis après il y a évidemment l'exemple aussi anglophone. En anglais, il y a que you. Il existait un tu en anglais. Tha, ça, je sais pas comment ça se prononce parce que je ne l'ai jamais vu qu'elle et pour cause, il est totalement tombé en désuétude, ça n'existe plus. Ça s'écrit T H O U. Vous l'avez peut-être vu passer quelque part et c'est l'ancien tu anglais qui n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que le you universel, c'est une forme de vouvoiement mais aujourd'hui, ça n'a plus vraiment ce sens-là. Euh, et le vouvoiement anglais est un petit peu moins de forme de soumission quand même, vu que tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que euh, si vous vous adressez à la reine d'Angleterre ou vous vous adressez à votre frangine, eh ben vous allez lui parler de la même manière. En français, on a cette différence entre le tutoiement, qui est vu comme une forme de familiarité, et le vouvoiement, qui est vu comme une forme de respect. J'espère vous avoir montré que ce n'était pas le cas. Mais il y a un cas qui, moi, personnellement, me révulse presque. C'est le vouvoiement asymétrique. Ça ne s'appelle pas spécialement comme ça, c'est moi qui vous donne le nom là tout de suite, mais pour vous donner un exemple, c'est par exemple, dans une entreprise, vous avez le patron qui va tutoyer ses employés, et les employés qui eux, vont vous voyer le patron. Moi ça, ça me dérange un petit peu parce que... Euh, si le vouvoiement est une marque de respect, ça veut dire qu'il n'y euh, a que le patron qui mérite le respect Et si le vouvoiement est une forme de soumission, euh, ben c'est pas beaucoup mieux en fait. Euh, les conférences TED, ça sert à partager des idées. Hein. Le slogan, c'est ça, « Ideas worth spreading ». Moi, l'idée que je vous ramène aujourd'hui, c'est que le vouvoiement, c'est dépassé. C'est une idée purement personnelle. Hein. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est l'idée que je vous apporte aujourd'hui. Je pense que le vouvoiement est complètement dépassé. Je pense que le tutoiement n'est pas plus une marque de familiarité que le vouvoiement est une marque de respect. Je pense que le tutoiement est une marque de proximité. Et d'égalité, là où le vouvoiement est une marque de distance et de soumission. Et pour prendre mon exemple personnel, je tutoie tout le monde que je rencontre un astronaute, un élu, un mec dans la rue à qui je demande mon chemin. Je vais les tutoyer. Mais parfois, il y en a qui veulent pas. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les tutoie. Et même quand je leur ai fait cette explication que voilà, ils veulent toujours pas. Alors. Puisqu'on parle de respect depuis tout à l'heure, je vais être un petit peu irrespectueux envers ces gens, si jamais il y en a là dans la salle qui ne supportent pas qu'on les tutoie. Je vais vous vous voyez, mais je vais manquer un peu de respect. Vous êtes des vieux cons rétrogrades. Voilà. Alors, je vais vous le dire quand même un petit peu autrement. On va essayer. Euh, à ces gens-là, qu'est-ce qui vous donne la légitimité de refuser à d'autres de se mettre sur un pied d'égalité avec vous parce que pour moi, quand vous forcez quelqu'un, vous vous voyez. Vous forcez cette distance. Vous forcez cette soumission. Si le tutoiement est un manque de respect, ben ça, je ne sais pas ce que c'est. Le sujet des, des talks d'aujourd'hui, c'est la plasticité. Quand on m'a invité, je me suis dit ouais bon, moi je parle d'astronomie sur YouTube. Je, pff, plasticité dans l'astronomie, le plastique dans l'astronomie. Bon, n'ai pas trop trouvé comment faire le lien. Alors j'ai décidé de. De parler de cette petite histoire personnelle, on va dire. Et euh, si donc on parle de plasticité, c'est parce que quelque part je comprends aussi les gens qui n'arrivent pas à se défaire du vouvoiement. Pourquoi bah, Parce que c'est dans les mœurs et on a du mal à changer nos habitudes. Je le comprends parfaitement, c'est normal. Et pour illustrer ça, bah, je vais encore vous raconter une petite histoire parce que je crois que vous avez compris que j'aime bien les petites histoires. Maintenant, je vais vous parler de ma maman. Euh, ma maman qui est assez à sa cheval sur le respect. D'ailleurs, je pense qu'elle regrette un petit peu ce que je suis devenu. <laughs> je plaisante. Presque. <laughs> non, mais ma maman a rencontré il y a quelques années une dame et euh, tout naturellement elles se sont vous voyées. Voilà. Mais le hasard a fait que euh, ces deux personnes sont devenues très bonnes amies et maintenant elles se fréquentent tout le temps, elles passent leur week-end ensemble, etc. elles ont continué à se vous depuis tout ce temps-là, parce que pourquoi changer Et là où c'est un peu bizarre, c'est que quand elles sont en société avec d'autres amis, hein, plein de gens, elles tutoient tout le monde, tout le monde les tutoie sauf elles deux qui se vous voient. Bon, alors je leur ai fait la remarque, hein, je leur ai dit, mais euh, pourquoi Alors ma maman, hein, comme tout le monde, dit, mais c'est une marque de respect, voyons. Ah bon et Toutes tes autres copines que tu tutoies, alors tu... Et là, du coup, elles se sont regardées, elles ont rigolé, elles ont dit, oui, c'est vrai qu'en fait... Euh, bon, donc elles ont essayé de se tutoyer, et finalement, elles se voient toujours. Pourquoi bah, Parce qu'elles en ont l'habitude depuis des années, elles se sont, vous voyez, c'est difficile de changer, et ça, je le conçois parfaitement. Par contre, j'ai quand même envie de, de dire encore une chose euh, à tous les gens qui ont du mal à changer leurs habitudes. Bon, J'en fais partie aussi. Hein, mais vous savez, cette génération qui va vous dire euh, Oui, mais de mon temps, on vous voyait ses parents petits galopins. Bon, ces j'ai envie de leur dire Oui, mais de ton temps, il y avait aussi des télés en noir et blanc et des téléphones à cadran. Bon, Aujourd'hui, tu es aussi passé à la télécouleur et au téléphone portable. Hein. Donc, ça aussi, normalement, on devrait pouvoir envisager de le changer. Donc, pour apporter une petite nuance à ce que j'ai dit, je tutoie tout le monde, ou presque. Je tutoie les gens que quand je suis dans une situation où éventuellement je pourrais leur expliquer ce que je viens de vous expliquer là. bon, Sans forcément faire autant de circonvolutions autour, mais si je peux expliquer ça aux gens, je vais les tutoyer. Par exemple, je viens d'un petit patelin à la frontière de l'Alsace. J'espère que ça s'entend. Et quand je vais chez mon boucher, la petite, euh, la petite boucherie au fin fond de la campagne, je tutoie mon boucher. Je vais arrêter avec l'accent, ça va deux minutes. Euh, pourquoi bah Parce que je le vois régulièrement, on peut de temps en temps échanger, on a le temps, donc je peux créer ce lien de proximité. Mais si je vais dans un supermarché avec l'employé qui est à la boucherie et qui a l'obligation de vous voir les clients, euh, si je le tutoie, je vais le mettre dans une situation d'inconfort dont je parlais tout à l'heure. C'est ce vouvoiement asymétrique où moi je vais le tutoyer, je vais me mettre à mon aise et lui il pourra pas. Et je vais le placer comme ça en subordonné. Et ça, c'est pas cool. Et il y a trois mecs qui attendent derrière moi pour se faire servir. J'ai pas le temps de lui expliquer qu'il a le droit de me tutoyer, que pourquoi le tutoiement, etc. Et en plus, si lui se met à tutoyer un client, ce c'est pas exclu qu'il le gérant, qu'il voit derrière, qu'il lui mette un, une claque derrière les oreilles. Donc, dans ce cas-là, je vais pas chercher les complications. Je vais vous voyer. De même, je suis dans la rue, je veux demander mon chemin à quelqu'un. Si c'est un homme, je vais le tutoyer. Mais si c'est une femme, j'ai quand même conscience que la rue est remplie de gros lourds qui cherchent la moindre excuse bidon pour faire de la drague bien merdique et donc si j'ai pas envie de mettre une femme mal à l'aise en lui faisant croire que moi aussi je suis un énième mec en train de la draguer eh bah pour garder justement cette distance je vais la vous voyer en conclusion je vous suggère d'essayer en sortant de cette salle essayez de tutoyer les gens je veux dire, en plus, ça devrait pas être trop dur parce qu'à part les deux trois qui peut-être dorment au fond de la salle, non, ça va. Normalement, vous avez tous compris ce que je voulais dire. Vous êtes peut-être pas d'accord, mais si vous voyez quelqu'un vous tutoyer là tout à l'heure dans le couloir, normalement vous comprendrez pourquoi il le fait. Donc, essayez, essayez de tutoyer les gens autour de vous et vous verrez que ça change votre rapport aux gens. Vous verrez que inconsciemment, quand on dit vous à quelqu'un, on place une distance, mais tout aussi inconsciemment, quand on dit tu, on se présente en ami. Et moi, quand je rencontre quelqu'un, potentiellement c'est un futur ami. Donc je préfère le tutoyer. Merci, monsieur, dames, c'était Arnaud Thierry, un petit con qui manque de respect aux vieux. Merci et à la revoyure!